Bonjour, sixième heure de direct pour ces 24 heures chrono de l'international. Nous arrivons au Portugal et nous allons passer une heure à Lisbonne et à Faro en compagnie de mes invités. Alors, le Portugal, les médias en parlent beaucoup. Les Français sont de plus en plus nombreux à partir là-bas s'installer, notamment les retraités. Donc, pendant cette émission, nous allons nous efforcer de balayer les atouts et peut-être les difficultés aussi auxquelles on peut être confronté lorsqu'on s'installe là-bas. Alors tout de suite, je vais présenter mes invités. J'ai à ma droite Véronique Pellerin. Vous êtes conseillère en communication internationale et vous êtes également conseiller du commerce extérieur de la France. Vous vivez, vous partagez en fait entre Lisbonne et Paris, et ce depuis 22 ans. Exact. Frédéric Ibanez, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe européen de traduction Optilingua et également AlphaTrad. Exact. Vous êtes marié à une Portugaise. Tout à fait. Et vous avez fait l'acquisition d'une maison à Albufeira, dans l'Algarve. Après d'ailleurs avoir quitté Porto, où vous étiez précédemment. Guimarães. Émilie Malgras, vous êtes directrice exécutive d'ABDB Portugal, qui est une agence franco-portugaise d'investissement immobilier en Algarve. Principalement. Et vous êtes là-bas depuis 3 ans, vous êtes installé à Faro. Exactement. Sylvain Grasset, vous êtes architecte. Vous êtes également marié à une Portugaise, vous vivez à Lisbonne depuis 10 ans et vous êtes spécialisé dans la rénovation d'immeubles. C'est exact. Voilà. Je crois que nous devrions avoir via Skype Jean-François Blarel, ambassadeur de France au Portugal. Monsieur l'ambassadeur, nous entendez-vous ? Oui, parfaitement. Bonjour. Très bien. Nous aussi, on vous entend fort et clair. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pourriez nous parler de la présence française au Portugal, notamment au niveau des chiffres ? Alors, je ne vais pas remonter aux origines même du Portugal. Au XIIe siècle, sont des influences cisterciennes très fortes. Ni... vous entend très mal, le son est haché. Peut-être qu'en régie, ils vont peut-être pouvoir faire quelque chose de façon à ce qu'on puisse vous entendre correctement. Peut-être par téléphone. Je vous laisse voir avec la régie. Très bien. Donc... on n'aura pas les chiffres exacts de la présence française au Portugal. Je pense, peut-être Véronique, vous les avez ? Oui, en fait, j'ai effectivement, nous avons un certain nombre d'éléments. Donc, à peu près 700 entreprises françaises sont présentes, filiales françaises présentes au Portugal. Mm-hmm. Ça représente à peu près 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires et également 60 000 emplois. Donc, on a 37 des entreprises du CAC 40 qui sont présents au Portugal. Et en nombre de Français présents, quelqu'un a le chiffre approximatif ? Je crois qu'à une époque, on était dans les 3 000, avant la vague massive d'arrivée. Voilà, ce que donne la Chambre de commerce et d'industrie du Portugal, donc à Paris, donne cette information qu'il y aurait une multiplication par 3 des arrivées des Français. Alors, il y a 2 choses. Il y a des flux de Français qui arrivent nouvellement et il y a des Français qui vivent au Portugal. Donc, il y a également les luso-descendants et certains peuvent avoir deux nationalités. On a évoqué le chiffre de 20 000. Non, 20 000, je pense que ce sont les Français qui vont, d'ici la fin de l'année, arriver. Donc le nombre de Français au Portugal est bien plus élevé. Si je ne me trompe pas, je pense que 178 000, mais c'est à vérifier avec les sources c'est officielles. C'est dommage, monsieur l'ambassadeur, qu'on ne puisse pas vous entendre. Ça va peut-être être réglé. On va faire une courte pause qui va peut-être justement nous aider à mieux vous entendre après. La CFE,
votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Nous sommes donc de retour sur le plateau de l'émission consacrée au Portugal. Nous essayons encore de joindre Jean-François Blarel, l'ambassadeur de France au Portugal. Monsieur l'ambassadeur, nous entendez-vous ? Je vous entends parfaitement. Ah, alors on va réessayer. Alors, monsieur l'ambassadeur, quel est ce chiffre alors de Français ? Alors, on dira inscrit au consulat au Portugal, et puis ensuite le chiffre imaginé probable. Le chiffre des Français qui sont inscrits au consulat d'environ 15 000. 15 000. D'accord. Et nous multiplions traditionnellement ce chiffre par 3. On le traduit par 3. D'accord. Pour avoir une idée approximative de Français, c'est On va essayer de vous appeler par téléphone, monsieur l'ambassadeur, parce que là, la définition du son est catastrophique, mais on a eu notre réponse quand même. Donc, 15 000 inscrits au consulat, et on multiplie voilà. Ce chiffre par 3, et peut-être plus encore, puisque vous avez évoqué 178 000. C'est ce que j'ai vu dans les informations qui ont été transmises par la Chambre de commerce, mais bon, peut-être en cumulé à terme. On va écouter tout de suite Jacques Maire, qui est un Français qui réside au Portugal et qui va justement nous parler de ces retraités qui arrivent en masse. Les Français, les retraités, il y a toute une génération de Français qui sont des retraités plus ou moins jeunes, qui sont arrivés au Portugal depuis l'année dernière grâce à l'application de la nouvelle loi fiscale qui permet une possibilité de ne pas payer d'impôts pendant 10 ans pour les gens qui viennent résider ici en tant que résidents non permanents. Il y en a énormément qui sont venus. L'exemple le plus frappant, c'est ce qui s'est passé avec nous à l'Alliance française, où nous sommes passés dans les 12 derniers mois d'une douzaine de membres portugais l'année dernière, et nous en avons maintenant plus de 200 à l'Alliance française qui sont membres et qui sont des Français, qui maintenant ont remplacé nos élèves portugais qui apprenaient le français par des Français qui apprennent le portugais. Frédéric Ibanez, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Maire quant à l'afflux de retraités? Vous avez, quand on discutait tout à l'heure, à Albufeira, vous avez noté quelque chose? Ah oui, parce qu'il y a une pâtisserie française et un certain nombre de Français vont y prendre leur petit déjeuner, dont je fais partie. Et toutes les semaines, un nouveau Français se présente, ou de nouveaux Français, principalement des retraités, se présentent. Voilà, je viens de m'installer, j'ai acheté une maison, je viens vivre ici et j'ai constaté qu'il y en avait pas mal. Vous aussi, Émilie Malgras, vous avez beaucoup de retraités qui arrivent? Beaucoup, beaucoup. On le voit constamment sur l'ensemble de l'Algarve, d'est en ouest, dans des sites plus ou moins touristiques, moins touristiques, mais à la recherche de maisons, à la recherche de lieux. Mais on entend de plus en plus parler français, effectivement. Ah oui, exact. Sylvain, vous, en tant qu'architecte, est-ce que vous êtes appelé à rénover des immeubles pour des Français à Lisbonne, par exemple? Oui, les Français à Lisbonne sont des gros acheteurs d'immobilier. Ça peut être des retraités comme des familles. On voit également beaucoup de familles jeunes avec des enfants. Je crois que le nombre d'enfants au lycée français, par exemple, a explosé. Oui. Le nombre d'ouvertures d'entreprises par des actifs également augmente. Donc, Alors, ce que vous dites là est intéressant parce que ça prouverait que ce n'est pas que l'attrait fiscal qui provoque cet afflux au Portugal. À propos d'attrait et d'avantages fiscaux, vous avez une petite anecdote, je crois,
Véronique, à nous raconter. Oui, parce que je pense que c'est toujours intéressant de voir pourquoi, en fait, un pays va promouvoir une loi. Et à la base, la loi, comme nous savons, en fait, la troisième ville du Portugal, bah, c'est ici où nous sommes, c'est Paris. Et donc, l'idée était bien sûr de ramener tous ces Portugais de France dans leur propre pays. Au bercail. Au bercail, voilà, retour. Bah, et finalement, bah, cette loi fiscale est effectivement très intéressante. Et le Portugal étant à la mode, a créé. Et puis, l'insécurité qui se passe dans d'autres marchés, comme au Maroc, a vraiment incité les Français à se tourner vers le Portugal, ce qui est formidable, puisque quelque part, c'est un pays culturellement très proche. Je crois que ça y est, on a Jean-François Blarel sur Skype. Je crois que là, on va réussir à pouvoir se parler. Monsieur Blarel, puisqu'on a déjà évoqué le chiffre, est-ce que vous pourriez nous donner justement le profil de ces Français ? C'est un profil qui peut être extrêmement varié. Vous avez traditionnellement beaucoup eu d'échanges entre la France et le Portugal, d'échanges de population. Et donc vous avez beaucoup de Français qui sont implantés depuis longtemps au Portugal et qui sont souvent des doubles nationaux. Ça représente à peu près la moitié des 15 000 Français dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, il y a évidemment d'autres Français, ceux qui sont envoyés par leur entreprise, qui sont de moins en moins nombreux. Ce que nous voyons en revanche arriver dans les Français nouvellement implantés au Portugal, ce sont bien sûr les retraités dont on parle beaucoup et dont vous venez de parler, mais ce sont aussi toute une série de Français qui viennent pour des raisons de création d'une entreprise, qui peut être une entreprise individuelle, comme l'ouverture d'une boutique, un restaurant, mais également la création d'entreprises tournées vers l'investissement français, par exemple l'aide à des Français nouvellement implantés, ou bien des entreprises de restauration d'immeubles tournées donc vers l'immobilier. Très bien. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous avez constaté quand même une évolution, là, ces derniers mois ? Oui. Je suis au Portugal depuis 2 ans et demi. Et depuis 2 ans, je vois vraiment la population se transformer avec de nouveaux compatriotes implantés depuis peu au Portugal. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors justement, par rapport à cet avantage fiscal, je tenais juste moi à préciser quelque chose, c'est que j'ai lu, je crois que c'est vrai, que seuls les fonctionnaires français n'ont pas droit à cet avantage fiscal. Donc pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ils en sont privés. Dans les faits, nos retraités, où est-ce qu'ils s'installent ? Ils s'installent plus à Lisbonne, en Algarve, à Porto, Émilie ? Je dirais plus forcément en Algarve, de par finalement l'équivalence sud de la France, climat, et puis on quitte pas. Enfin, tout dépend des retraités, effectivement. Quitter Paris pour trouver Lisbonne, c'est peut-être pas forcément le choix de chacun. Mais en tout cas, en Algarve, on voit très peu de Français créateurs d'entreprises très jeunes. C'est quand même beaucoup plus des retraités qui s'y installent. Vous appréciez l'Algarve, Frédéric ? Ah, tout à fait. Moi, je m'y trouve très bien. J'ai l'avantage, c'est que je peux travailler par Internet, puisque je gère plusieurs filiales, donc je peux le faire d'où je veux. Donc, ayant une bonne Internet, pour moi, l'Algarve était l'endroit le plus adapté, compte tenu du climat. Lisbonne, comparativement à l'Algarve, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? À part le fait que c'est une grande ville dynamique. Lisbonne, c'est quand même la capitale, hein, c'est la capitale du pays. C'est une ville qui est en profond changement. Moi, j'y vis quand même depuis un certain nombre d'années, donc depuis plus de 20 ans. Donc j'y vis vraiment beaucoup, beaucoup de changements. Et c'est devenu une capitale aussi, si ce n'est plus à la mode que Barcelone, avec, comme disait justement monsieur l'ambassadeur, et c'est très important, tous ces Français qui arrivent, il n'y a pas que des retraités, il y a quand même 20% qui sont des investisseurs, qui sont des actifs et qui ouvrent des services dans l'hôtellerie, le commerce, et qui donnent aussi une nouvelle dynamique, et notamment aussi tout ce qui touche au nocturne, puisque bon, cette ville bougeant, il y a aussi, comment dirais-je, une vie vraiment très intense. Quand vous sortez à Lisbonne, vous allez dans quel quartier ?
Il y a des quartiers pour tout type de sorties, pour les plus jeunes, pour les moins jeunes, pour si on veut. Le plus connu, c'est le Barrio Alto. Barrio Alto, disons que c'est des tout petits bars, donc les gens sont dans la rue, donc c'est un quartier qui est quand même assez grand. Et à partir de 11h du soir jusqu'à 3-4h du matin, les gens sont dans la rue, boivent des verres en toute tranquillité, sans excès. Donc c'est très agréable, sûr de sortir et sûr de rentrer ensuite chez soi à pied, quoi. Juste un petit bémol quand même, l'Algarve, l'hiver, c'est peut-être un petit peu moins gai que Lisbonne quand même. Hein. C'est clair. Forcément, il y a beaucoup moins de, monde. Mmh. Et plus, quand on a une famille sur place... C'est des villes balnéaires quand même, donc voilà. qui vivent... Sauf Tavira. Tavira est assez active, tout comme Faro. Mmh. Mais c'est vrai que Albufeira reste quand même actif. Active aussi, Lagos, Portimao... Mais c'est, il est mieux d'être entouré d'une famille locale. Mmh. On va examiner un autre atout du Portugal, qui est quand même celui du coût de la vie. Et à ce titre, on va écouter l'expertise de Smart Expatriation. Si vous vous déplacez de Paris à Faro, vous aurez une baisse du coût de la vie sur place de 24%. Bonne surprise, vous pourrez trouver des logements moins chers qu'à Paris. Comptez environ 500 euros par mois pour un deux pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les contributions sociales nettement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 euros brut à Paris, il vous faudra 39 600 euros brut à Faro pour maintenir le même niveau de vie. Donc on le voit, un coût de la vie quand même nettement plus intéressant qu'en France. Mmh. Ça se traduit comment au quotidien? Vous avez quelques exemples, Véronique, à Lisbonne. Bon, déjà le prix du café, on va dire. Parce qu'en fait, voilà, le café, c'est la bica d'ailleurs en portugais. Il y a plein, on a toutes sortes de cafés. Mais bon, 75 centimes contre hier 2,50 euros dans Paris. Voilà, bon, je vous donne déjà un exemple basique. Non, c'est vrai qu'il y a, effectivement la possibilité de vivre d'une manière, on va dire en moyenne, l'OCDE donne 35%. Moins cher au Portugal versus la France, on va dire, je pense que c'est un peu exagéré, je dirais 20%. Ceci étant, il y a des endroits, des restaurants... En Algarve, c'est encore moins cher que Lisbonne. Hein. Peut-être. Moi, je dirais plutôt 50%. Ouais, 50%. Et, dans le nord du Portugal, encore moins cher. Guimarães, tout ça, c'est moins pas cher, pas de comparaison avec l'Algarve. Ceci étant, il y a des endroits qui sont quand même aussi assez chers. Hein. Il y a des restaurants qui ont des prix oui, avec des cartes relativement parisiennes. Voilà. Donc, oui. Il y a un mixte. Tout à fait. Au niveau des loyers, par exemple, Lisbonne, deux pièces Disons qu'on peut vivre à Lisbonne avec un salaire de 800 euros par mois, ou 700, 800 euros par mois. Donc on a des loyers pour un deux pièces qui vont aller de 400 euros, 500 euros. Après, évidemment, on a tout un immobilier qui est fait pour les expatriés, avec des très belles situations, très bons endroits, de très belles réhabilitations, et on peut monter à des prix très élevés. D'autant qu'on loue beaucoup à des touristes aussi, ouais. Ce qui fait que beaucoup du marché de l'immobilier sert justement à la location saisonnière. En fait. Pour une comparaison, entre louer à Lisbonne et louer à Faro un appartement, moi j'imagine qu'il n'y a pas... Il y aura environ 30% moins cher à Faro. Oui, c'est ça. J'allais dire, il n'y a pas photo, quoi. C'est toujours pareil. D'accord. Par rapport à des produits de consommation basique, je crois que les fruits et légumes sont remarquablement pas chers, d'après ce que j'ai pu voir. Effectivement, parce que sont produits localement. Premièrement, je pense qu'il y a très peu d'importations. Ce qui est d'ailleurs très agréable, parce que quand on fait son marché, on sait qu'on mange un produit de, un produit de saison. En tout cas, pour ce qui est de l'Algarve. Et oui, c'est vraiment c'est 50 centimes le kilo d'orange. À Lisbonne, c'est pareil, vous le vivez aussi Oui, non, c'est à peu près, bon, peut-être un petit peu plus cher, mais effectivement, dans les prix... Mais la fraîcheur aussi. La fraîcheur, les fruits et légumes sont moins chers, le poisson également. En fait, non, le Portugal importe quand même pas mal de fruits et légumes, mais pour satisfaire en fait la demande. Peut-être qu'en Algarve, ils importent moins. Mais l'Algarve étant producteur, évidemment, d'agrumes, donc c'est un peu normal. Très bien. Alors, on va aborder un sujet là qui fâche peut-être un petit peu plus. Ça va être la santé. Et à ce titre, on va écouter Laura Faubel,
qui est expert au CLES et qui va nous parler de l'assurance maladie pour les retraités dans l'Union européenne et notamment au Portugal. Vous êtes retraité et vous partez vivre au Portugal ou dans un État de l'UE ou de l'EE. Votre couverture maladie est différente selon que vous percevez seulement une pension française ou également celle d'un autre État, ou selon que vous reprenez ou non une activité rémunérée. Il y a donc plusieurs cas de figure. Alors, le cas le plus fréquent, vous recevez une pension de retraite du seul régime français et vous partez vous installer dans un des États qui appliquent les règlements européens, dont le Portugal. Vous n'y travaillerez pas. Dans ce cas, vous devez demander avant de partir le formulaire S1 à l'organisme qui vous verse votre retraite de base, donc la CNAV, le RSI ou la MSA. C'est avec ce document que vous pourrez vous inscrire auprès de l'assurance maladie de votre lieu de résidence au Portugal. Vous pourrez ensuite bénéficier des soins et de leur prise en charge selon la législation portugaise. Toutefois, comme vous êtes pensionné du régime français, vous restez assuré en France et pouvez être couvert pour vos soins lorsque vous y revenez, qu'il s'agisse de soins immédiatement nécessaires ou non. Vous pouvez toujours utiliser votre carte vitale si vous l'avez conservée. Deuxième cas de figure, vous recevez une pension du seul régime français et vous vous installez au Portugal où vous allez reprendre ou continuer une activité professionnelle. Là, c'est votre qualité d'actif au Portugal qui va primer sur votre statut de retraité du régime français. Vous n'allez donc plus relever de l'assurance maladie française, mais de celle du Portugal. Vous devrez rendre votre carte vitale avant de partir. Si vous séjournez en France ou dans un autre État de l'UE, l'EE ou de la Suisse, vous pourrez utiliser la carte européenne d'assurance maladie, la CEAM. Il faut la demander à la caisse d'assurance maladie de votre lieu de résidence. Cette carte vous permettra d'être prise en charge pour vos soins urgents dans les mêmes conditions que pour les assurés du pays de séjour. Alors, les soins, la qualité des soins au Portugal, comment ça se passe? Je crois que vous avez chacun un avis pas forcément identique. Vous, Sylvain, vous avez côtoyé de près ce système de soins à cause de votre fille, je crois. C'est ça. Donc moi, je suis 100% système portugais. Ma fille, effectivement, est née à 6 mois, à 600 grammes. Donc on a eu affaire à tout le service public de santé portugais. Nous avons rencontré des gens incroyables. Qui est donc valable quand on a la carte vitale, c'est ça? Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas la carte. Carte européenne. Carte européenne, d'accord. Si on est assuré en France. D'accord. Monsieur devait être assuré au Portugal. Oui, moi, je suis assuré au Portugal. Donc, c'est le système public. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que ça marche moins bien quand on veut aller aux urgences pour un rhume en pleine nuit. Mais pour tout ce qui est grosse opération, gros soins, on a des équipes qui sont extraordinaires. Il y a eu énormément de progrès qui sont faits. Mm-hmm. Et à mon avis, on est largement au niveau européen. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres. Moi je suis d'accord, la médecine au niveau public est aussi qualitative qu'en France. Après il y a tous les tracas administratifs, si on est assuré social portugais, il faut aller au médecin référent qui vous autorise à aller vous faire soigner par ailleurs. Pour se faire opérer, des fois il faut attendre plusieurs mois, donc beaucoup de gens se retournent vers le privé. Bon, moi je suis mal placé pour parler, parce que comme je reviens en France tous les 15 jours, je me fais soigner entièrement en France. D'accord, vous, je crois que vous avez même accouché au Portugal. Voilà, alors moi j'ai accouché au Portugal et ça s'est très très bien passé. Donc en fait, non, je suis d'avis que le système public a bien évolué. Mais je recommande, c'est ce que tout le monde fait, d'avoir, bon, Sylvain ne le fait pas, mais d'avoir une complémentaire maladie, une complémentaire privée, qui n'est pas si... Et de nouvelles assurances secrètes. Alors justement, et alors ce qui est intéressant, notamment MDS Portugal a créé Assurance au Portugal, et un produit qui est vraiment destiné à toute cette population luso-française au Portugal, et donc permet d'avoir des assurances sans limite d'âge, ce qui est important pour ces retraités qui viennent. Donc le fait est qu'ils ont leur carte vitale, ils bénéficient de leurs soins en France, également au Portugal dans le cadre public, mais avec cette assurance, ils peuvent aller aussi dans le privé. D'accord. Et donc voilà. Et le système privé, c'est est absolument aussi génial. Il y a eu beaucoup d'évolutions avec la CUF, notamment, que tout le monde connaît au Portugal, et qui est la CUF, c'est en fait un institut de santé privé, mais qui est extraordinaire et qui permet d'être soigné. Mais c'est un système privé, qui est un parallèle au public. Voilà. Donc finalement, c'est plutôt positif. Bah, écoutez, dans le ranking, apparemment, dans le ranking, le Portugal a bien évolué. Je crois
fois dans le ranking OMS. Sur 152 pays, il est 12e. Donc voilà, c'est pas si mal. Donc je pense qu'il faut quand même se sécuriser sur ce niveau-là. On va demander d'ailleurs à des spectateurs, s'ils nous écoutent, de justement réagir à cette émission sur Twitter. C'est hashtag 24HChrono. TV, donc on attend vos remarques. Donc, santé, plutôt positif. Continuons sur un sujet aussi positif qui va être celui du marché de l'immobilier, où là, je crois qu'on va avoir pas mal de choses à dire. Et à ce titre, on va écouter Laurent Marionnet, qui est le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie française au Portugal, et qui va nous parler donc du marché de l'immobilier, et plus spécifiquement à Lisbonne. Le marché de l'immobilier au Portugal, bon, on en parle beaucoup en France, beaucoup de gens viennent s'installer au Portugal, ce qui fait que le marché de l'immobilier est en plein développement aujourd'hui, avec la reprise d'un certain nombre de bâtiments qui étaient en ruine ou qui étaient laissés à l'abandon, des investisseurs, que ce soit à Lisbonne ou à Porto. D'ailleurs, à Lisbonne, les prix sont en train de grimper assez rapidement. Les opportunités aujourd'hui sont plutôt à Porto et au sud du Portugal, sur toute la côte à partir de Lisbonne jusqu'en Algarve et bien sûr en Algarve. Mais les tarifs du mètre carré restent tout à fait abordables si on compare au prix du mètre carré de Paris par exemple. Alors Émilie, compte tenu de votre activité, qu'est-ce que cette vidéo suscite en vous? Quelle réaction avez-vous? Suscite que pour avoir un état des lieux assez clair, on va dire que le prix moyen en Algarve au mètre carré est de 1 500 euros dans le neuf et peut aller en dessous de 1 000 euros pour de la rénovation. Des chiffres dont j'ai entendu parler à Lisbonne, on est plus sur 2 500 euros. Donc dans la Grande Couronne et dans le centre de Lisbonne, aux alentours justement un peu plus cher, 3 500, 4 000 euros. Dans le neuf. Et dans le rénové, alors? Oui, alors on a, depuis 4 ans, on a affaire à un gros boom des investissements, soit par des clients finaux, on va dire, soit par des investisseurs. Mm-hmm. Nous, il y a 4 ans, on ne travaillait pas du tout au Portugal. Aujourd'hui, on est plus de 16 architectes pour faire face justement à la demande de rénovation. Alors, effectivement, on trouve des immeubles à 1 000 euros du mètre carré à réhabiliter et en prix de sortie, ça dans peut certains monter, quartiers, quand dans même. Dans certains quartiers. En devenir, on va dire, mais qui reste très proche du centre-ville. Et en prix de sortie, on peut sortir jusqu'à 6 000, 7 000 euros du mètre carré si on est dans le Chiado, qui est le quartier, on va dire, à la mode de Lisbonne. Quoi. Mmh. Vous avez donc fait l'acquisition d'une maison, oui. Frédéric. Est-ce que c'était simple au niveau du process? Alors, celle que j'ai achetée dans Algarve, oui, c'était simple. Je suis passé par une agence immobilière qui m'a fait visiter un nombre important de biens immobiliers et j'ai fait un choix. D'ailleurs, j'ai trouvé, on parlait du prix au mètre carré, j'ai acheté 490 mètres carrés pour 525 000 euros. C'est avec vue sur la mer. Oui, c'est plutôt. À Albufeira. Et avec une piscine? Bien sûr. Ah oui. D'accord. Par rapport au process d'achat, Véronique Pellerin, comment ça va se dérouler quand on veut acheter un bien? Est-ce qu'on va voir un notaire? Est-ce qu'on va voir un avocat? Bon, disons que moi, d'une manière générale, en fait, les notaires au Portugal n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions qu'en France. Donc, on recommande l'avocat, l'avocat fiscaliste. Comment s'appelle le document Alors, on achète une... C'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand vous arrivez au Portugal, vous devez avoir un numéro qui s'appelle le NIF, le numéro d'identification fiscale. Alors, je ne sais pas quel est en France, je crois que ce n'est pas le même nom. Et ce numéro, c'est absolument ce numéro qui va vous suivre en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. Et vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas ce numéro-là. Et comment on l'obtient, ce numéro, alors? Alors, ce numéro, il suffit d'aller... à Lisbonne, au Portugal, le gouvernement portugais a créé, en fait, le concept des boutiques du citoyen. Ça s'appelle la Loja do Cidadão. Et là, vous avez tout. Tout. Donc, tout en ce qui concerne la sécurité sociale, les dépôts de... Si moi, par exemple, demain, j'arrive au Portugal... Bah, pareil, vous allez à Loja. Je vais chercher mon NIF, voilà. Mais je n'ai pas besoin de résider sur place. Alors, non, en fait, le numéro, c'est un numéro qui doit...
que vous allez avoir parce que vous voulez effectivement soit être un investisseur, soit travailler, soit vivre dans ce pays. Mais ça s'obtient très, très facilement. Donc, on obtient son IF après. Alors après, dans les démarches, une fois qu'on a son IF, ben, si vous voulez effectivement acheter... On va avoir un agent d'abord. Voilà, exactement. Il fallait déjà trouver qu'est-ce que vous voulez acheter et ainsi de suite. Mais bon, effectivement, ce qui est bien, c'est que si vous êtes un investisseur dans les affaires... on recommande de toute façon d'avoir utiliser un guide, qu'il soit un avocat ou autre. Comment s'appelle le fameux document de vente alors ? C'est les escrituras, c'est l'acte d'écriture au sein du notaire. Ça c'est en portugais alors ? Oui. C'est un acte de vente en français. Il faut le faire traduire, c'est bien je pense de le faire. Avant de le signer, il vaut mieux l'avoir traduit, oui. Il faut savoir ce qu'on va signer. Et en sachant qu'il peut y avoir des surprises, oui. Il y a énormément de surprises qu'il peut avoir. Effectivement, on peut acheter un bien sans savoir si c'est constructible ou pas. Seul l'avocat sera capable de... Pas forcément l'avocat, parce qu'il faut le processus administratif. Quand on dépose un permis, ce genre de choses, ça passe rarement par les avocats. Il faut aller voir les administrations, qui vont peut-être pas forcément répondre à la même chose si on y va le lundi ou le mercredi. Et qui ne vont peut-être pas parler anglais non plus. Voilà, non. Et le délai, alors en termes de délai, ça se passe comment ? J'ai trouvé la maison de mes rêves, je veux l'acheter. À partir du moment où vous avez votre NIF, qui est donc votre numéro d'identification fiscale, que vous allez obtenir juste sur présentation de votre carte d'identité, vous avez un compte ouvert au Portugal. Il y a des banques franco. Et c'est facile d'ouvrir un compte au Portugal ? Oh oui, sans problème. Il n'y a pas de... Non, moi, j'ai acheté la maison en moins d'un mois, j'ai fait les papiers. Ah ben voilà, on a. C'est souvent des cas d'urgence parce que finalement beaucoup arrivent parce qu'on entend parler pour notre agence de l'Algarve mais finalement un coup de cœur, donc tout doit se réaliser très rapidement. C'est quand même en cas de rénovation qu'on peut avoir des surprises, non ? C'est au niveau de la durée là. Oui, quand on dépose un permis, on n'a pas de délai. L'administration ne nous donne pas un délai, donc ça peut prendre un certain temps. Il y a beaucoup de monde qui investit, donc c'est plus long aussi. Mm. Beaucoup de complications parce que le bâtiment peut être protégé, on peut faire partie de zones protégées. Donc tout ça, effectivement, même nous, en y étant et en travaillant avec des Portugais, avec des collaborateurs portugais, donc, on a du mal des fois. Patience et prudence. Et être bien conseillé. Alors justement, c'est très, très bonne transition parce que justement, on va écouter Alexandra Lefalère qui va nous donner des conseils. Et également certaines mises en garde, si tant est que l'on ait envie de s'installer. Alors là, on va dire à Lisbonne, mais c'est peut-être valable partout ailleurs au Portugal. On l'écoute. Les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaite vivre ou bien travailler à Lisbonne, vivre déjà, je dirais qu'il faut choisir Lisbonne plus que vraiment... choisir cette ville pour ce qu'elle peut nous apporter et pas forcément pour ce qu'on a envie d'y changer. Vivre à Lisbonne, au départ, ça peut être un petit peu laborieux au niveau administratif. C'est des fois un petit peu compliqué. C'est pour ça que je conseille vivement de se faire accompagner pour toute cette phase d'intégration, par exemple par des sociétés qui existent comme Lisbonne Service. Ensuite, pour une intégration, je dirais, plus douce, le monde associatif aide énormément. Que ce soit l'UFE, l'Union des Français à l'étranger, Français du monde, permet de se retrouver, de connaître les trucs et astuces du moment. Ensuite, quelqu'un qui souhaite travailler à Lisbonne, ce que je conseille encore une fois, c'est de ne pas avoir ce sentiment que, même si on est proche des Portugais culturellement ou historiquement, que les habitudes de consommateurs sont identiques, elles sont parfois différentes, donc en prendre bien note. Ces démarches-là et cette aide-là peut être apportée encore une fois par des professionnels qui vous accompagnent, que ce soit la chambre de commerce ou que ce soit entreprendre.pt, une association. Voilà les conseils que je pourrais donner. Je vous ai vu réagir, Émilie. Pourquoi choisir que Lisbonne ? Pourquoi pas choisir l'Algarve ? Après, ça dépend, j'imagine,
d'où habitait cette jeune femme avant. Quitter Paris une fois de plus pour Lisbonne, c'est un choix. Pour le mien, ça a été plus de partir en Algarve. Être citadine ou préférer... Exactement, ou le côté Portugal authentique, qui est aussi Portugal authentique à Lisbonne, dans sa capitale. C'est le choix que vous aviez fait en allant dans Alors, le sud. Non, parce que moi d'abord, j'étais vivre à Guimarães, où je suis resté plusieurs années. Ah, c'est dans le nord, ça, oui. Voilà, et c'est très agréable d'ailleurs, mais le climat, c'est un peu le climat de la Bretagne portugaise. C'est une Bretagne portugaise, on va dire. D'accord. Et donc, on a quand même gardé la maison là-bas, parce que c'était le village natal de ma femme, et on a acheté une résidence donc, dans le sud du Portugal. Ça, on peut choisir. Très bien. Donc, elle préconise de se faire accompagner. Vous êtes d'accord, tous les quatre? Quand on parle français, quand on ne parle pas bien le portugais, qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas portugais, effectivement, on a intérêt à être accompagné. Les prix ne seront plus les mêmes. Ça, c'est certain. Non, mais non, là où je crois que, enfin, de toute façon, la recommandation d'Alexandra est importante parce qu'il y a quand même des associations qui sont pas coûteuses, puisque c'est vraiment pro bono, oui, pour pouvoir aider tous les Français qui viennent s'installer. Elle a parlé de l'UFE, de la DFE, d'entreprendre, l'UFE, de la chambre d'ailleurs, de commerce. Qui explose là-bas, parce qu'ils en sont à la troisième. Je crois qu'ils ont 1000 adhérents. D'un seul coup, c'est... Oui, exactement. Ils ont donc scindé, d'ailleurs, l'UFE Porto, Lisbonne et... Absolument, oui, oui, c'est ce que l'UFE m'a dit récemment. Donc, et puis, vous aviez également, tout à l'heure, quand on discutait, évoqué que de nouveaux services... commencer à se créer pour répondre justement à la demande de ces arrivants. Lesquels, par exemple? Alors, en fait, tout ce qui, automatiquement, ces arrivées permettent de créer un écosystème. Donc, il y a quand même tout un besoin aussi en langue française. Donc, il y a des médias en langue française qui se développent. Il y aura bientôt Portugal 21. D'ailleurs. Il y aura, exactement, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc, la TV Portugal 21 au mois de mai à Lisbonne, donc formidable. Et également, tout un type de services comme les services de relocation, les maisons de retraite également. Donc, les services intégrés pour ces personnes retraitées d'un certain âge qui veulent avoir service tout en un. Service à la personne aussi. Exactement, service à la personne. Eux ne vont pas forcément aller apprendre le portugais ou apprendront le basique. Tout mais ça, c'est un peu des niches. Et ce sont des niches, tout à fait. Des niches, voilà, à disposition des Français qui auraient envie de créer une structure là-bas. Voilà, alors il y a aussi, et puis après tout ce qui est commerce et qui va avec, donc il peut y avoir effectivement des produits français nouveaux, par exemple des crèmeries ou des fromageries, ça on n'en a pas forcément, donc ça peut être assez intéressant. Alors justement, puisqu'on en parle, évoquons la création de structures sur place, tous les quatre. Vous avez monté une structure sur place. Sylvain, on va faire un petit tour de table comme ça. Sylvain, quel type de structure avez-vous monté quand vous êtes arrivé? Combien de temps ça a pris? Combien ça vous a coûté? Alors, c'est une entreprise normale, quelle que soit... C'est l'équivalent d'une SARL? Voilà, c'est le genre SARL, ça s'appelle Limitada. Ça se fait en une heure. Quand moi je l'ai monté, ça coûtait 5000 euros de capital social. Aujourd'hui, on peut le faire pour 1 euro. On va dans la boutique là, dont vous parliez tout à l'heure, ou on le fait par Internet? Oui, non, la boutique. Oui. La fameuse boutique. La fameuse boutique. Oui, ça s'appelle Entreprise dans l'heure, en fait. Et c'est en fait le slogan marketing, comme a dit Sylvain. Voilà. Empresa na hora. Voilà. C'est très facile. Alors après, comme toujours, il y a quelques papiers. Donc il vaut mieux, effectivement, quand on ne connaît pas, se faire accompagner. Mais sinon, c'est effectivement très très simple. Émilie, vous avez constitué le même type de société sur place? L'équivalent d'une URL, puisque je suis associée unique. D'accord. Effectivement, c'est... Une heure? Moi, ça a été un peu plus long, puisque j'ai fait appel à un expert comptable. D'accord. Mais qui donc a traité dans l'ensemble. Je n'avais absolument pas parlé portugais à l'époque. Et en qui j'avais une grande confiance. Et donc voilà, après signature des statuts, mais ça a pris un mois entre deux allers-retours à Rifaro. Frédéric, vous, ça fait longtemps que vous avez vos deux filiales. Oui, oui, tout à fait. Alors moi, je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai sous-traité la chambre de commerce française à Lisbonne, qui a tout pris en main, qui m'a aidé pour le lancement. À l'origine, on avait une personne. Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes, une partie répartie. Alors, 15 personnes, deux ou trois, ne travaillent que pour le Portugal et le reste pour les filiales du groupe à l'étranger, mais dans le Nord. Et c'était très facile, j'ai rien fait. C'est clair. Très vite, Véronique. Au niveau de la fiscalité des entreprises, est-ce qu'on a une idée, enfin Véronique ou quelqu'un d'autre autour de cette table, combien elle est à peu près? Elle est 19% en 2016 des bénéfices. L'année dernière était à 21% et l'année prochaine sera à 17%. Charges sociales? 21%. 21%. D'accord. En France, 42%. Patronal, je parle. Recrutement facile, on trouve du personnel qualifié
facilement. Très facile. Moi, je recrute beaucoup de francophones, de germanophones. Dans le Nord, à Guimarães, je n'ai aucun problème à en trouver. Oui, il faut dire que c'est quand même un cas d'exception. De toute façon, les Portugais ont une capacité pour les langues étrangères incroyable. Et donc, c'est vraiment rare de ne pas rencontrer quelqu'un qui sache parler au moins anglais, français, voire espagnol, en plus de leur langue natale, portugaise. Voir que la première langue... C'est pas vraiment un problème. Et puis, on le comprend un peu quand même. Voilà, puis quand même, les Portugais, leur première langue étrangère était le français, hein, pendant très, très longtemps. Donc, ça reste quand même dans la culture et dans l'histoire, ne serait-ce qu'aussi au niveau des lectures et des livres. Et le français revient très fortement, la langue française. Il est aimé, le français, là-bas. Tout à fait. À la rigueur, c'est plus les Français qui ont du mal, parce que les Français, nous ne sommes pas forcément très forts en langue. Voilà, et souvent, les Français, en se disant, on nous comprend tellement bien que pourquoi faire un effort en langue Exactement. Portugaise. Voilà. Très bien. Ben justement, puisqu'on parle de culture, on va tout de suite écouter Mehdi Benlassen, qui est membre élu de l'UFE, on en parlait. Non, de l'ADFE. Et de l'AFE. Il est élu de l'AFE. L'AIFE, et il est à voilà. L'UFE aussi. Okay. En fait, il a les deux. Voilà. Et donc, il va nous citer un exemple parmi les nombreuses difficultés et différences culturelles que l'on peut rencontrer au Portugal. La vie familiale a beaucoup d'importance. Chez les Portugais, puisqu'ils ont aussi une société, on va dire, encore très communautaire, qui est organisée autour de la famille. La famille a une grande importance. Et il est, par exemple, très difficile d'être invité dans la maison de Portugais. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément d'amis portugais, on peut fréquenter énormément de couples mixtes, etc., etc. Mais la maison, c'est quelque chose de sacré. On n'invite pas des gens à la maison comme ça. On peut inviter des gens à manger au restaurant, on peut payer l'addition lorsqu'on est proche de ces personnes-là, mais voilà, la maison, ça reste encore un lieu sacré, ça reste encore le lieu de la famille. Alors, bon, déjà, je crois que j'ai fait une petite erreur, parce que Mehdi Benlassen n'est pas de l'Union des Français à l'étranger, mais de Français du monde. Voilà. Alors, vos réactions par rapport à ce que Monsieur Benlassen vient de dire, c'est vraiment un sanctuaire, la maison, chez les Portugais ? Non, apparemment, chacun a son expérience. Je pense que du sud au nord, et selon les personnes qu'on a en face de nous et notre attitude, surtout, les choses peuvent évoluer. Quelle a été la vôtre expérience ? De m'intégrer le plus possible. Quand je suis arrivé au Portugal, je n'ai pas voulu rentrer dans des associations françaises pour apprendre à 100% le portugais, pour ensuite... Vous êtes immergé. Voilà, m'immerger complètement... jusqu'à pouvoir parler 100% le portugais, et là, après, pouvoir... Épouser une portugaise. Voilà, par exemple. Émilie, c'est un peu pareil, moi, je me suis complètement immergée dès le départ, en jouant pas du tout le rôle de la touriste. Ça peut être très facile en allégrave de se faire comprendre en anglais, mais du coup, j'ai voulu vraiment apprendre en fréquentant des Portugais, en fréquentant des zones qui n'étaient absolument pas touristiques, pour connaître le Portugal, que je dirais plus authentique. Mm-hmm. C'est clair que la famille est très, très, très importante, et ce qui est d'ailleurs très touchant. Quand vous rentrez dans une famille, vous y rentrez vraiment. On vous prend la main de A jusqu'à Z, à être considéré comme une fille d'adoption. Et... Vous êtes d'accord, Frédéric ? Ah oui, moi j'ai étudié le portugais très jeune et je le maîtrise relativement bien. Étant marié qu'une portugaise et ayant émigré, on va dire, pour moi, dans le nord du Portugal, dans un petit village où il n'y avait que des portugais, j'ai toujours été très bien reçu par sa famille, par le voisinage, sans problème. En Algarve, c'est un petit peu plus complexe, puisque d'abord, tous mes voisins sont britanniques, il n'y a pas de portugais. Donc, effectivement, je fais un peu de communautarisme avec les Français qui sont sur place. Moi, j'imagine que vous ne les contredirez pas, vous êtes d'accord avec. Ah oui, moi, je me suis complètement intégrée. Enfin, moi, j'ai intégré d'abord le monde des affaires quand je suis arrivée au Portugal. Donc, il fallait obligatoirement parler le portugais et s'intégrer. Mais voilà, évidemment... Est-ce qu'il y a vraiment une âme portugaise quand on pense au fado et... Bon, bien sûr, bien sûr. Ah oui, la culture gastronomique. On mange très, très bien. On mange très, très bien, mais pour le coup, en tout cas, en Algarve, sont assez fermés. À la rigueur, on trouve un développement de japonais, sushi, etc. Mais finalement, sont très fiers de leur patrimoine gastronomique et sont pas forcément, je parle en Algarve, ouverts aux traditions culinaires très pointues françaises. Ou, voilà, c'est pas forcément évident de cuisiner français et recevoir chez soi un portugais. En conclusion, parce que notre émission va toucher à sa fin, Frédéric, si vous aviez un conseil à donner à un Français qui va partir là-bas pour bien s'intégrer, est-ce qu'il y a quelque chose à faire et quelque chose à ne surtout pas faire ?
à bien s'intégrer. S'il veut s'intégrer dans la communauté portugaise, il faudrait qu'il commence à maîtriser le portugais, donc à prendre des cours de portugais. Sinon, l'intégration ne me semble pas particulièrement difficile. Il n'y a pas d'erreur à ne surtout pas commettre. Moi, je ne vois pas de difficulté majeure, personnellement. Vouloir imposer la France aux Portugais, ça serait une erreur. Toujours comparé avec la France. Vouloir imposer la France aux Portugais. Parce que finalement, on devient étranger et on a tendance à vouloir se rappeler de nos origines et peut-être des fois, parler trop souvent de la France. Je pense que c'est un grand atout, ce pays et cette ville, avec toute son authenticité, est encore très riche. D'ailleurs, si vous me permettez, je fais juste une interview de Philippe Stark, qui lui-même, en fait, vit à Cascais, à Comporta. Et c'est une interview faite par une journaliste portugaise. Et donc, il parle en français, c'est sous-titré en portugais, mais on peut la voir sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il dit est formidable. Il dit qu'il a retrouvé un petit paradis et qu'il faut le protéger. Alors voilà, je pense que si vous vous y intégrez, ce sera peut-être le mot de la fin. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le Portugal, voilà. Un petit paradis à protéger. Voilà. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Donc nous quittons et nous partons. On reste en Europe en fait, mais on part plus au nord. On part à Bruxelles. Merci. Au revoir.